Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit coup d'action. Donc avant de passer à action, je voulais vous parler des bijoux. Oui, hier, je vous en ai parlé un petit peu en vlog. Voilà, ils m'ont proposé un partenariat et j'étais ravie. J'ai vraiment trouvé des jolies, des très, 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 très jolies choses. Donc, on va parler un tout petit peu de la marque. Au départ, je ne voulais pas vous filmer le haul. Je m'étais dit, je vais le faire dans un vlog, mais je me suis dit, c'est l'occasion de parler des bijoux. Donc, c'est une marque française. Voilà, même que le nom, il est anglais. Hein, c'est français. Oui. C'est des bijoux, soit de plaqué or 18 carats ou de l'acier massif, de l'argent massif. Moi, j'ai deux bijoux en argent, puisque j'aime pas le doré. Hein, je crois que vous commencez à le savoir. Ils livrent partout dans le monde. Et ce que je trouve exceptionnel, on voit très peu ce genre de choses, c'est que par commande, ils reversent 50 centimes à trois des associations partenaires qu'ils ont. C'est vous qui choisissez à l'achat. Vous avez donc la SPA, la Ligue contre le, enfin le, ouais, la Ligue contre le cancer et e-enfance. Donc là, c'est la protection de l'enfance sur Internet et tout ça. Ce que je trouve génial, les trois associations sont vraiment très bien trouvées. Voilà, il y a les animaux, les enfants et le cancer, c'est vraiment la base. Et donc, vous avez un code promo de 15% qui est Evelys15 et il est valable une semaine. Voilà, donc n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment des très, 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 très jolies choses. Alors, je vais vous montrer moi ce que j'ai sélectionné. J'avais droit à 60 euros. Bon, on arrive à 62. Ils m'ont laissé tomber les 2 euros. Donc, je les remercie encore énormément. Merci Vénus. Oui, j'adore son prénom. Donc, je ne me lasse pas de le dire. Donc, moi, j'ai choisi une boucle d'oreille. Puisque ça aussi, c'est génial. C'est que certaines, pas toutes, mais certaines boucles d'oreilles, vous pouvez choisir à l'unité. Donc, si comme moi, vous aimez dépareiller vos oreilles, c'est vraiment génial. Bon, moi j'ai cherché un anneau, donc je vais essayer de vous faire un petit zoom au montage, puisque c'est des fermetures mouches qu'ils ont. Et ça, moi j'aime pas parce que ça me pique l'arrière des oreilles pour les piercings, c'est pas pratique non plus. Donc là, moi j'ai pris un anneau avec une petite croix en argent, ça faisait très longtemps que j'en avais plus. J'en ai eu un, enfin ouais, j'ai eu cette boucle d'oreille-là, je l'ai eu toute mon adolescence. J'étais bien contente de retrouver exactement la même. Et je suis contente parce que le diamètre est excellent pour passer à mon lobe. Oui, mes trous sont très mal faits, hein, on est d'accord. Mais je dois faire avec. Voilà. Ou alors je dois repercer à droite à gauche. Mais voilà, je la trouve vraiment très jolie, très simple. Et elle bouge pas. Hein. Ça fait plusieurs douches que je prends. J'ai pas compté mes douches entre-temps. Donc avec mes bijoux, je fais tout, je les enlève jamais. Sauf quand je fais de la pâtisserie, ma bague, je l'enlève. Et la paire, enfin la boucle d'oreille même était à 13 euros. Et franchement, je trouve que pour de l'argent, c'est un prix plutôt vraiment correct. Et j'ai pris donc la bague qui là est à 49 euros et c'est la spontanée. Moi, je l'ai pris en taille 54 pour mettre à mon pouce. Alors là, elle tient bien, mais il y a des fois, j'ai les doigts qui changent de diamètre. Alors, j'ai essayé de l'enlever pour mieux vous la montrer. Elle est splendide. Alors attendez, elle est magnifique, vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Je l'adore et en plus, elle est super, c'est super costaud. Elle est un peu ciselée sur les bords et tout. Je la trouve tellement belle et je trouve qu'à mon pouce, ça fait vraiment tout son effet. Franchement. Je l'adore. Alors, la bague, il y a très, 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 très peu de stock. Donc, je vous mets les liens de la boucle d'oreille et de la bague en barre d'infos. Il y a très, très peu de stock. Donc, n'hésitez pas à aller la chercher vite, 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 si elle vous plaît. Hein. Alors, vous allez m'entendre un peu différemment. Je vais reprendre. Je me suis fait deux petites vidéos pour vous montrer parce qu'il y a beaucoup de. Il y a pas mal de petites choses. Donc, moi, je vous l'affiche ici sur le côté. Voilà, là il y a la nouvelle collection, c'est Acapulco qui est sortie. Ouais, elle est certifiée RJC, donc c'est fabriqué suivant les normes, des très bonnes normes, marque solidaire. Ils sont garantis 365 jours, ça c'est excellent aussi. Donc voilà, là vous avez un peu la nouvelle collection, c'est beaucoup de l'or.
Moi, c'est pas trop mon kiff, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. La petite boîte à bijoux, elle est juste magnifique. Et voilà, vous avez plusieurs tailles. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et moi, je vais vous montrer parce qu'il y en a quelques-unes qui me... Surtout des bagues et des bracelets. Hein, mais il y en a pas mal qui me tentaient. Bon, là, j'ai sélectionné l'argent parce que c'est ce que je préfère. Mais il y en a des tellement belles. Et ce qui est génial, c'est que du premier coup d'œil, vous voyez les tailles qui sont encore dispo. Mais il y en a plein qui me plaisent. Mais vraiment plein. Bon, après, j'ai que 10 doigts, donc je peux pas en... Celle-là, oh là là là, inspirante là, je la trouve magnifique aussi. Enfin, elles sont toutes magnifiques, vraiment toutes, toutes, toutes magnifiques. Vous avez des bracelets, des chaînes de cheville, des boucles d'oreilles, il y a vraiment de tout et je trouve ça très joli. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site hein, si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Voilà, les boucles d'oreilles, vous voyez. Vous voyez directement si elles sont disponibles à l'unité ou pas. Je trouve ça vraiment, le principe est vraiment génial. Donc, ouais. N'hésitez pas à foncer sur le site. Vous avez 15% de réduction pendant une semaine grâce au code promo. Qui sera noté bien évidemment dans la barre d'infos. Donc je remercie encore la marque Evenus pour ce partenariat. J'étais enchantée et je suis vraiment amoureuse de ma bague. Voilà, ma bague, c'est un gros coup de cœur. Hein. J'aime beaucoup ma boucle d'oreille aussi, mais ma bague, gros coup de cœur. Donc, encore merci du fond du cœur. Et c'est grâce à Manon que j'ai eu ce partenariat. Donc, merci ma pichette également. Donc, on va pouvoir passer au haul. Combine. Donc, je vous affiche les prix comme d'habitude. J'ai acheté. Alors là, je vous en ai monté que un paquet parce que j'en ai pris trois. C'est des verrines. Donc normalement c'est des verres à thé marocains, un peu style comme ça. Vous avez les mêmes avec la liserée, le liseré doré. Moi j'ai préféré prendre les... Il y en a un qui bouge, donc j'ai un peu peur. Donc vous avez 6 verrines à l'intérieur. Enfin, je dis verrines, c'est pas vraiment des verrines, c'est des verres à thé. Mais on s'en fout. Moi je les ai pris pour faire des verrines, pour faire mon dessert pour mon anniversaire. Voilà. Oui, j'ai encore changé d'avis. Je voulais faire un crumble, mais je vais faire autre chose, je pense. Avec du crumble dedans. On verra bien. Alors, Georges m'a bougé mon truc, j'avais... Ah, les plats. Donc ça, c'est chez Auchan que j'ai trouvé. Les serviettes pour mon effet. Voilà. Fallait que je vous les montre. Hein. Juste, c'était pas, ça fait pas partie de l'action, mais fallait que je vous les montre. Donc, toujours pour mon anniversaire, pour mon centre de table, j'ai acheté un chemin de table, en fait. Mais c'est en plastique. C'est génial, je vais pouvoir le réutiliser. Et il fait 5 mètres, je crois. Non, 1 m 80. C'est la nappe qui fait 5 mètres. 50 cm sur 1 m 80. Et c'est en plastique, donc c'est génial. Vous pouvez le réutiliser, il suffit de le nettoyer avec une éponge. Et c'est un effet de dentelle, donc j'ai pris en gris un peu souris, comme ça. J'aime beaucoup. Ma table sera rose et blanche de base, puisqu'on va partir un peu sur le thème Saint-Valentin. J'ai fait un beau centre de table. Enfin bref. Alors, j'ai acheté... Chérie a acheté... Ces fameuses soucoupes, comme d'hab, toujours la même chose. Des bifiroles pour Georges. J'en ai pris pour moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Pour Georges, je lui ai pris un paquet de Cheetos Spooky. Voilà, je trouvais le nom marrant, donc je l'ai pris. C'est au fromage également. De toute façon, Georges, tout ce qui se bouffe, il bouffe, oui. Hein. Chérie s'est repris un paquet de café pour la Senseo. Voilà, 36 dosettes. Ils sont vraiment pas bien chers chez eux. Alors, moi je me suis pris parce que j'avais envie de chips au barbecue. C'est celle-ci. Voilà, les Deep American Barbecue de chez Lace. J'en ai pris beaucoup moins parce qu'il faut que je fasse attention. J'ai pris 3 kilos. Alors, j'ai pris deux. Torchon, parce qu'avec Miss Riley qui fait ses petits pipis partout, ben, il me refallait des torchons, hein, puisque j'ai pas le temps de les nettoyer au fur et à mesure, surtout que mes torchons disparaissent. Donc là, j'en ai repris deux. Je les aime bien, ceux-ci en microfibre, je trouve qu'ils nettoient bien le sol. Alors, on a repris... Ah non, on a pris du plâtre. Enfin, j'ai pris du plâtre. J'ai vu... un DIY que j'ai envie de reproduire et il me fallait du plâtre.
Donc on a trouvé un sachet de 1,5 kg. J'ai cru que c'était de la farine, mais c'est du pain. On a également pris des petites touillettes en bois pour touiller le plâtre et appliquer le plâtre. Voilà, ce sera très bien. Et en plus, ça peut certainement me servir pour d'autres petites choses aussi. Toujours DIY pour moi et Bichette. J'ai pris 3 sortes de laine. Donc j'ai pris de la noire, de la bleue, la couleur est magnifique, et de la rousse. Voilà. Si vous voulez voir les DIY que je fais, il faudra aller voir, enfin pour Manon, il faudra aller voir l'ouverture du swap chez elle. Voilà. Donc ça évite de prendre l'eau pour pouvoir faire tous mes petits bricolages. Toujours pour le bricolage avec le plâtre, il me fallait des petites billes en bois. Donc j'ai trouvé ce petit pot là. Est-ce qu'ils disent combien est-ce qu'il y en a dedans? C'est des 15 mm, il y a 50 grammes. Ils ne disent pas combien de pièces, mais 50 grammes. Il m'en faut 3-4, hein. Ça va. On a repris une spatule. Voilà. Au départ, Jérémy a pris celle-là avant qu'on trouve ça. Mais je pense qu'avec ça, j'aurai assez. Mais bon, c'est pas perdu non plus. Hein. Bien sûr, la bouche. Chéri a repris ses gâteaux à l'abricot. Ouais. C'est beaucoup tout le temps la même chose qui prend bien. Pas mon truc. J'ai pas pris de chips au fromage. J'ai été sage. J'ai repris 2 planches à découper toutes simples en plastique parce que pareil, mes planches disparaissent. On en avait racheté 6 la dernière fois, j'en ai plus qu'une en bas. Voilà, merci Sam. Non, c'est Enzo. Est-ce qu'il y a une taille de noter 24,1 sur 14,3, c'est des planches à découper classiques ou à tartiner, ça dépend de quel usage vous les préférez. Moi, c'est pour découper les fruits des titis. Ah oui, je me suis pris ça aussi, il y avait du bœuf séché. C'est un peu cher hein, pour la quantité, parce que c'est, y a vraiment pas grand chose dedans. Hein. Est-ce que c'est noté 10 grammes, je crois. Ouais, 10 grammes, je crois, c'est un truc comme ça. Il n'y a vraiment pas grand chose, mais j'aime beaucoup ça, donc en grand temps, je me fais plaisir. Alors, Chérie a pris de la corte de jute comme ça pour faire pour mettre pour les kikis. Il y a 10 mètres sur 1,4 cm de diamètre, donc voilà, ça peut servir pour beaucoup de choses, mais ça peut même servir pour des bricolages, donc c'est pas perdu. On a repris des boîtes de mouchoirs. Georges en a déjà carotté une parce qu'il est malade. Mais voilà, on a repris des mouchoirs parce que on n'en avait plus. Alors, toujours DIY. J'ai repris une bombe de peinture argentée parce que j'en avais plus. Et de noir. Je prends toujours les gloss, mais il y a en mat aussi. Les deux sont jolis. Moi, je préfère les eye gloss, comme ils appellent ça. Et voilà, j'aime beaucoup leurs bombes de peinture chez eux. Elles sont une très bonne qualité et elles sont vraiment pas chères. Alors, Chérie s'est également repris ses chips de banane qu'il partage avec les chichous, hein, parce qu'elle adore ça. Et on a fait un peu une razzia de friandises pour les chiens, parce que j'en ai plus. Donc on a pris ceux-ci. Voilà, je pense que les deux seront contents de les manger. La petite, ça durera beaucoup plus longtemps que le gros, hein, on est d'accord. Ceux-ci. J'ai pris des grands filets de dinde de poulet comme ça pour Ryan. Et j'ai pris des plus petits formats pour Riley. Voilà. Et j'ai pris ceci également pour Ryan parce qu'il les adore. Il les mange très vite, mais il les adore. Et enfin, il y avait des nouveaux masques. Donc j'ai pris. Attendez, hein, parce que je recarte. Voilà. Alors, il y avait 2 nouveaux de cette gamme-là que j'aime beaucoup. Il y en avait un à la cerise et un à la coco. Donc, j'ai pris les deux. Voilà, parce que c'est ceux que je préfère chez eux. Donc, celui à la cerise, il est hydratant et l'autre, il est rafraîchissant à la coco. Les deux vont faire du bien. Et il y avait des nouveaux dans les thèmes un peu gourmands. Vous savez, on a eu tout le thème de Noël avec Candy Cane et tout ça, ou les bonbons nounours. Et là, il y a Popcorn et Barba Papa. J'ai pris les deux, évidemment. Ils disent pas ce qu'il fait. Ah, si, c'est écrit en tout petit. Mais bon, Popcorn et Barba Papa, quoi.
C'est génial. Et voilà pour le haul. Donc, je vais aller faire mes petits bricolages et tout ça, tout ça. D'abord nourrir mes chiens et ensuite faire mes petits bricolages. Pour ma table, pour mon anniversaire, bah, vous verrez ça certainement dans le vlog suivant, le jour de mon anniversaire. Et voilà, les DIY, il faudra aller voir le swap quand Manon va déballer son swap. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je remercie encore une fois les bijoux Ouillard. Je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas montré les boîtes, mais je les ai montrées en vlog. Et comme ça, bah, ça vous laisse la surprise parce que c'est des très jolies boîtes. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.